le voyage de prophète Issa. Issa dit à son compagnon, « Une pierre pour moi, une pierre pour toi, et une pierre pour le propriétaire du troisième pain. » L'homme qui l'accompagnait lui dit, « c'est moi, le propriétaire du troisième pain. En réalité, j'en avais deux avec moi, mais j'en ai mangé un pendant que tu priais. Toutes les pierres sont à moi, sinon je te tue. » Issa lui répondit, « Elles sont toutes à toi. Je te laisse. » Et il s'en alla seul. L'homme resta avec les trois pierres. Il se mit à réfléchir à une solution pour transporter ces pierres sans se les faire voler. Et alors qu'il était absorbé dans ses pensées, il fut attaqué par trois hommes qui le tuèrent pour s'emparer de cet énorme trésor. Les trois hommes décidèrent que l'un d'entre eux irait à la ville pour les ramener, de la nourriture en toute discrétion. L'un des trois est parti, et pendant son absence, les deux autres sont restés. Commencement de l'intrigue.